Salut à tous, c'est Xuscarter, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre gameplay sur Détroit. Et on va continuer avec Connor. Suivant. Jolie vue, hein. Je venais souvent ici, avant. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Est-ce que tous les androïdes posent toujours autant de questions indiscrètes ou c'est juste toi? Pourquoi êtes-vous déterminé à mettre fin à vos jours? Il y a des choses que je peux pas oublier. Quoi que je fasse, elles sont toujours là. Elles me rongent lentement. J'ai pas le cran d'appuyer sur la gâchette, alors je me tue à petit feu jour après jour. C'est pas évident pour toi de piger ça, hein, Connor? Y'a rien de très rationnel là-dedans. Avant quoi? Vous avez dit... Je venais souvent ici, avant. Avant quoi? Avant rien. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête, on tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour Era 9. C'est comme une espèce de mythe. Une chose qu'ils auraient inventée, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Pourquoi pas? Putain, dans quelle époque on vit? Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? Vu le pognon que t'as dépensé, il y a de grandes chances. Ces deux filles... Elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air... de s'aimer. Elles peuvent simuler des émotions humaines. Mais ce sont des machines. Et les machines ne ressentent rien du tout. Et si on parlait de toi, Connor? T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi, exactement? Je suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Votre partenaire? Votre copain de comptoir? Ou juste une machine? Conçue pour accomplir une tâche. Ça t'a fait quelque chose quand cette fille s'est suicidée, Connor? Ou est-ce que t'en avais absolument rien à battre? J'ai simplement exécuté mes instructions. J'ai fait ce que j'avais à faire, c'est tout. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor? Je trouverais ça clairement regrettable, d'être ainsi... interrompu.
avant d'avoir pu conclure cette enquête. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la gâchette? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. Rien du tout. Il n'y aurait que le néant. Où allez-vous? De mettre une mine. Besoin de réfléchir. Aussi, bah oui, forcément. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite. Salut!